Alors, bienvenue mes frères et sœurs dans ce grand programme de Lève-toi et prie. Je suis très ravi de vous recevoir encore dans ce nouveau numéro. C'est votre frère Miracle Béni Référence. Nous sommes ici dans ce ministère que Dieu nous a donné, Miracle Béni Ministry. Et nous recevons beaucoup de vos nouvelles, de vos messages, de vos commentaires sur notre page YouTube Miracle Béni TV, sur la télévision. Votre bénédiction, comment vous êtes édifié par les exhortations liées à la prière. Comme je dis toujours, la prière est l'arme la plus puissante que Dieu ait donnée à l'humanité. La prière change les choses. La prière brise le joug de la servitude. Peu importe où tu es, à la maison, en prison, à l'hôtel, en chambre, au salon, dans la voiture, lève-toi et prie. J'aime dire, toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Je les répète encore. Toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Il y a des nuits qui changent les destinées. Il y a des nuits qui accomplissent des grandes choses. Il y a de ces nuits-là où vous restez en prière avec Dieu et Dieu fait de vous un icône. Dieu fait de vous une référence. Dieu fait de vous quelqu'un de très spécial et je suis persuadé et convaincu que cette nuit-là peut être pour toi aujourd'hui. Alors, lève-toi et prie. Merci Seigneur pour ce nouveau numéro. J'aimerais aujourd'hui aborder un sujet que Dieu a mis à mon cœur. C'est un sujet que j'ai déjà parlé de là une fois pour ceux qui nous suivaient depuis avant quand nous étions en train de faire des lives, des lève-toi et prie avec notre téléphone sur Facebook. Et aujourd'hui, nous sommes au plateau télévisé. Et le Seigneur a mis à cœur de répéter encore ces petits sujets parce que ça bénira quelqu'un et ça restera longtemps, longtemps, longtemps dans les temps, dans nos cœurs, alors que je parlerai de ces sujets. Je sens des gens disposés à l'écouter après des années, après des temps, après des époques. Et je crois que cela bénira plus d'un million d'âmes. Amen. Ainsi, là où vous êtes, je vous prie de prendre vos Bibles dans le livre de Juges, chapitre 3. Nous allons lire le verset 17 jusqu'au verset 25. C'est une histoire très intéressante, mais méconnue de beaucoup d'hommes. Nous sommes dans Juges, chapitre 3, du verset 17 jusqu'au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: il offrit les présents à Eglon, roi de Moab. Or, Eglon était un homme très gras. Lorsqu'il lui achevait d'offrir les présents, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et dit: ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Le roi dit: silence! Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Verset 20. Et il l'aborda comme il était assis seul dans sa chambre d'été. Et il dit: j'ai une parole de Dieu pour toi. Eglon s'éleva de son siège. Alors Ehud avança sa main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se renferma autour de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Et il sortit par les portiques, fermant sur lui les portes de la chambre haute et tira les verrous. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent, et voici les portes de la chambre haute était fermée au verrou. Ils dirent: sans doute, il se couvre les pieds dans la chambre d'été. Verset 25, c'est le dernier verset. Ils attendirent longtemps, et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute,
Ils prirent la clé et ouvrirent, et voici leur maître était mort, étendu par terre. Seigneur, nous bénissons ta parole pour nous. Seigneur Dieu, tout homme qui sait lire peut prendre cette Bible et la lire. Mais c'est toi qui donnes l'interprétation. Ainsi, donne-nous l'interprétation et bénis mon frère et ma soeur qui me suit et qui me suivra. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle merveilleuse lecture que nous venons de lire. J'intitule mon sujet, mon message d'aujourd'hui, je l'intitule « Les diables utilisent ce que tu aimes ». Est-ce que tu peux les répéter avec moi ? Les diables utilisent ce que tu aimes. Répète encore pour une dernière fois. Les diables utilisent ce que tu aimes. Amen. Quel est mon sujet d'aujourd'hui? Les diables utilisent ce que tu aimes. Par moment, nous pensons que les diables, quand il va venir avec ce que lui nous propose carrément. Il viendra avec des cornes. Les diables aujourd'hui n'utilisent pas des cornes. Parce que si les diables venaient avec des cornes, avec une figure de fantômes, avec la saleté, l'odeur, la fumée noire, comme on nous montre dans les films, alors même un petit enfant va fuir. Même celui qui ne va pas à l'église va savoir que c'est les diables. Les diables n'utilisent pas des cornes. Les diables viennent par la gentillesse pour venir te détruire. Il vient comme un gentil monsieur. Il dit, oh, mais tu vois pas que tu peux faire ça. Et rappelez-vous, au jardin d'Éden, quand les diables sont venus tenter Adam et Ève, il a dit à Ève, oh, mais pourquoi tu ne mangerais pas ça? Si c'était mal, pourquoi ça existe dans les jardins? Pourquoi seulement Dieu vous a empêché ça? Essaye de goûter. D'ailleurs, tu es un enfant de Dieu. Ça ne va rien faire. Tu auras la connaissance. Il essaie de te montrer les avantages par ce que tu aimes. Ève aimait avoir la connaissance. Ève aimait découvrir qu'est-ce qui va arriver après. Beaucoup sont morts dans les péchés parce que le diable leur a proposé ce qu'ils désiraient avoir. Beaucoup de gens sont tombés parce qu'ils ont cédé à cause de leur vouloir, non même pas à cause du diable, mais le diable a juste utilisé leur curiosité. Le diable a dit à une fille, mais si tu ne découvres pas ton sexe, si tu ne fais pas l'adultère, comment tu vas savoir? Si tu ne sors pas avec cet homme, comment tu vas savoir? Le diable a parlé à un jeune homme, il a dit, mais écoute, il faut que tu puisses aller vers cette femme pour que tu puisses savoir si tu fonctionnes. Alors comme j'aime voir si je fonctionne, je suis tombé dans les péchés. Alors comme j'aimerais découvrir ce que je suis réellement, comment je vais me sentir, alors je suis tombé dans la fornication. Le diable utilise ce que tu aimes. Tel est mon sujet aujourd'hui. Les diables utilisent ce que tu aimes, mon frère, ma soeur. Attention, les diables utilisent ce que tu aimes. C'est pourquoi ces moments, ce concept, c'est lève-toi et prie. Parce que Jésus a dit, levez-vous et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Le seul remède que Jésus nous a laissé afin de ne pas tomber en tentation, mon frère, ma soeur, c'est la prière. Jésus a dit, priez, veillez, priez, afin de ne pas tomber en tentation. Il n'y a pas trois remèdes, il n'y a pas quatre remèdes. Levez-vous et priez, afin de ne pas tomber en tentation. Car parfois, vous attendez à ce que la tentation vienne par les choses que vous n'aimez pas. Détrompez-vous, la tentation viendra par ce que vous aimez. Les diables utilisent ce que tu aimes. Rapidement, j'aimerais entrer dans le vif de mon sujet, là où nous avons lu, dans Juges chapitre 3, dans Juges chapitre 3, au verset 17 jusqu'au verset 25. Ici, c'est l'histoire du roi Eglon. Le roi Eglon était un roi de nations païennes. Les Philistins, les Manganites, les Amoréens et tout ce que vous connaissez. Et ça tombait dans une époque où le peuple d'Israël avait péché. Le peuple d'Israël était tombé dans les péchés. Et la Bible dit, si vous lisez avec moi ce chapitre, la Bible déclare, au verset 12 je crois, il dit, l'Éternel fortifia le roi Eglon de Moab. C'était un roi de Moabites. Il fortifia le roi Eglon. Maintenant,
J'aimerais aborder ces sujets, ces pensées, un peu dans un contexte non conventionnel, dans un contexte opposé. C'est-à-dire, quand nous lisons la Bible, beaucoup prennent toujours la part d'Israël. Beaucoup, nous tous, nous prenons toujours la part d'Israël, nous prenons la part de Dieu, nous prenons la part de Moïse, de tout ce que nous pensons être nos références. Mais ici, j'aimerais aborder ça d'une manière non conventionnelle pour prendre la part du roi Eglon. Parce que la Bible déclare au verset 12 du chapitre 3 du livre des Juges, « L'Éternel fortifia Eglon, roi de Moab, contre Israël. » Je me suis posé la question de savoir comment Dieu, le Dieu puissant, peut fortifier un homme. C'est Dieu qui l'a fortifié et cet homme faillir. Je me suis posé la question, comment Dieu peut fortifier un homme et cet homme l'a failli? C'est la question que je me suis posée. Comment Dieu peut te fortifier? Peu importe ton rang social. Eglon était un roi moabite. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu es. Même si tu es de Bandundu, que tu es de l'Équateur, que tu es de Mbujimaï. Je ne sais pas. Peu importe tes racines, que ça soit bonne ou mauvaise. Mais du fait que Dieu te fortifie. Ah, alors moi je crois que Dieu qui a fortifié, il va te tenir fortifié. Comment un homme fortifié par Dieu peut-il tomber? C'est la question que je me suis posée. Comment quelqu'un que Dieu lui-même a fortifié peut-il tomber aussi bêtement? Oh, c'est là que nous découvrons l'histoire. Nous allons essayer d'en parler. Je ne sais pas si mon temps va me permettre d'aborder jusqu'à la fin ces sujets. Mais je vais parler de deux aspects. Deux aspects dans lesquels le diable utilise pour les diables fonctionnent, des aspects dans lesquels les diables fonctionnent pour utiliser ce que tu aimes en ta défaveur. Le premier aspect que j'aborde, c'est que les diables utilisent ce que tu aimes pour te détruire. Notez, pour ceux qui notent, les diables utilisent ce que tu aimes pour te détruire. Ça, c'est le premier aspect du fonctionnement du diable quand il utilise ce que tu aimes. Il utilise ce que tu aimes pour te détruire. Il veut te détruire. Alors, il utilise ce que tu aimes pour te détruire. Vous allez lire avec moi le verset 17 du chapitre 3. Là, nous avons dit, la Bible déclare, il offrit les présents à Eglon. Ça, c'est Ehud. Ehud, c'était un enfant israélite. Quand il vint, il offre à Eglon les présents, les cadeaux, les biens. Il offre ça. Roi de Moab. Or, Eglon était un homme gras et très gras. Un homme très gras, la Bible souligne. J'aimerais que vous puissiez voir la différence. Il offrit les présents, soulignez ça. Et Eglon était un homme très gras. J'ai noté ceci. La faiblesse du roi Eglon. Le roi Eglon, premièrement, vous allez lire l'histoire du roi Eglon. Le roi Eglon aimait beaucoup les présents. En d'autres termes, les cadeaux. Le roi Eglon aimait les cadeaux. Il aimait les offrandes. Il aimait quand les vénères en apportant des myrnes, en apportant des cadeaux, des présents, de l'or, des sacrifices. C'est ce que lui aimait. C'est ce qu'il aimait. Ce n'est pas forcément mauvais. Quand je parle de ce que tu aimes, je ne dis pas forcément ce que tu aimes des négatives. Non, je parle de ce que les diables utilisent, ce que tu aimes, même de la vie sociale, même du positif. Il y a quelqu'un qui aime tellement les voyages. Les diables utilisent tes voyages pour te nuire. Il y a quelqu'un qui aime tellement la télé. Je ne dis pas que tuer votre télé, détruisez-la. Mais les diables utilisent ta télé pour te mettre dans la distraction. Il y a quelqu'un qui est en train d'aimer les cadeaux. J'aime quand on m'apporte des cadeaux. Surtout, il y avait la Saint-Valentin il y a récemment. La Saint-Valentin vient de passer. Et toutes les femmes, généralement, veulent avoir des cadeaux par leur partenaire. Et le diable peut passer par un cadeau. Alors que le jour où ton partenaire ne t'a pas offert un cadeau, comme toi tu aimes tellement les cadeaux, à tel point que tu peux même mourir. Alors, l'homme, voilà, un autre homme, quand il te donne les cadeaux, tu cèdes ton amour conjugal, tu cèdes ton amour légitime à cause d'un cadeau quelconque. Les diables peuvent passer par ce que tu aimes. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend là où il est.
Le diable utilise ce que tu aimes. Et le roi aiglon aimait les cadeaux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes. Alors que je parle de cette parole, commence à regarder ce que tu aimes. Ce que tu aimes n'est pas forcément un péché. Mais le diable passe par là pour t'utiliser, pour te détruire. Tu aimes les voyages, tu aimes le sommeil, tu aimes les sorties. Le diable peut multiplier des sorties en ta faveur pour t'éloigner des choses de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimes. Tu aimes les réseaux sociaux. Ce n'est pas mauvais. Nous tous, nous sommes là dans les réseaux sociaux. Cette émission passe sur les réseaux sociaux. Mais le diable peut utiliser tellement que tu aimes les réseaux sociaux pour te proposer la distraction, pour te garder longtemps loin de Dieu, loin de la prière. Lève-toi et prie. Le diable utilise ce que tu aimes, mon frère, ma soeur. Et le roi aiglon aimait beaucoup les cadeaux, les présents. Mais ce que je souligne encore au verset 17, la Bible déclare... Et le roi aiglon était un homme très gras, gras, en masse. Il avait un ventre bédolant. Si j'avais des images, j'allais vous montrer ça en illustration à la télé. Il avait un grand ventre. Vous voyez tous nos pasteurs grands, nos papas grands. Et le naturel typifie le spirituel. Je me suis posé la question de savoir comment un homme grand peut mourir par un petit couteau. Comment un homme très grand en taille peut mourir par une petite poignée de couteau comme ça. En d'autres termes, un grand ministère, une grande carrière, un grand potentiel très grand, un destin glorieux très grasse, très grand. Il avait un destin très gras, très grand, des ambitions très grandes. Combien sont morts avec des très grands ministères? Combien ont péri avec un petit couteau de la séduction? Mais ils avaient des très grands potentiels. Combien sont allés en prison? Ils avaient une grande avenir, un grand avenir. Ils avaient une grande destinée. Mais ils sont partis en prison à cause d'une petite dette. Comment quelqu'un peut être ruiné? Un grand appel de Dieu. Oh, je pense encore à ces généraux de Dieu qui est tombé un jour dans le champ. Vous connaissez toute l'histoire de Jimmy Swaggart, un grand homme de Dieu, mais qui est tombé dans le champ des batailles à cause d'une petite erreur. On me dira, il a été piégé. Je ne sais pas s'il a été vraiment piégé ou c'était vraiment ça. Ou je ne sais pas tout ce que l'histoire peut raconter après. Mais moi, je me pose la question, comment un si grand ministère peut tomber par une petite piège? Comment un aussi grand ministère peut tomber par une aussi petite piège, petite chose? Un grand. Aiglon était gras, de force, de puissance, une grande dame, mais qui est tombée, qui est morte par un petit couteau. Oh, mes frères, au verset 18, il dit, lorsqu'il eut achevé d'offrir les présents au roi, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Au verset 19, et cet homme-là, Ehud, revient lui-même vers le roi. Quand ils ont donné les cadeaux, il a écarté les autres et lui-même, il est revenu vers le roi. Il revient lui-même depuis les carrières près de Gilgal et dit au roi, « Oh roi !» Ça, c'est la deuxième chose que le roi aiglon aimait. La première des choses qu'il aimait, c'était les cadeaux. Écoutez maintenant la deuxième chose que le roi aimait. Quand Ehud dit au roi, « Oh roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. Oh roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » La deuxième des choses que le roi aiglon aimait, c'était les secrets. Il y a des gens sur terre qui peuvent abandonner tout, leurs femmes, leurs hommes, leurs enfants, à cause d'un secret. Il n'aime pas qu'un secret puisse lui passer. Il est prêt à tout abandonner. Si quelqu'un lui dit, j'ai un secret sur un tel, il est prêt à rester longtemps sur l'arrêt, sans prendre les taxis, juste pour écouter les secrets d'autrui. Le diable utilise ce que tu aimes. Les gens qui aiment les secrets. Quand Ehud a dit au roi, « Oh roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » La Bible déclare, le roi dit à tout le monde, « Silence !» Et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Quand seulement on a dit au roi, « Oh roi,
J'ai un secret, il dit, le roi a dit à tout le monde. Elle est silence, silence. Peu importe ce que vous disiez avant, peu importe ce qui s'est passé, peut-être on est en train de prendre des décisions pour réhabiliter les routes. Peut-être en ce moment, on est en train de prendre des décisions pour réhabiliter l'armée. Mais comme notre président aime les secrets, il a dit silence, arrêtez, sortez. Et tout le monde s'est sorti. Le deuxième des choses que le roi Aiglon aimait, il aimait beaucoup les secrets. C'est la deuxième faiblesse. Alors que je parle de ces messages, je suis en train moi-même de me remettre à question. Qu'est-ce que j'aime réellement? Quelle est cette chose que j'aime au point où le diable commence à l'utiliser pour me détruire? Il y a des gens qui aiment les secrets. Ils aiment les cadeaux. Ils aiment le voyage. Ils aiment tellement que quand seulement on lui dit... On a un billet pour toi pour Dubaï. Oh, arrêtez! Même si j'allais partir en prière. Non, je ne pars plus. Quand on lui dit seulement qu'on a un billet pour toi pour Lubumbashi, oh, laissez! Peu importe où vous allez l'amener, mais comme il aime tellement les voyages, il peut abandonner même sa lutte pour la dot, il peut abandonner sa prière, il peut quitter l'église à cause du voyage. Les diables utilisent ce que tu aimes, mon frère. Il y a des gens qui aiment tellement les femmes au point où il peut tout abandonner, il peut laisser les amis en route, il peut fermer son téléphone parce que la dame lui a dit, je te donne rendez-vous à 18h. J'aimerais dire à quelqu'un, les diables utilisent ce que tu aimes. Oh, ça peut être fort, mais c'est la vérité. Le roi Aiglon est mort parce qu'il aimait tellement écouter les secrets. Ne sachant pas que la mort s'est approchée de lui par les biens de ce qu'il était, par la voix de ce qu'il aimait. La mort s'est approchée de lui par les choses qu'il aimait entendre. Il aimait avoir les cadeaux. On l'a porté, on l'a fait le piège. On l'a porté ces pièges de cadeaux pour attirer son attention. Tu aimes tellement la gloire, pasteur. Tu aimes tellement la gloire, homme de Dieu. Tu aimes tellement la gloire, homme d'affaires, que le diable, quand il veut t'avoir, il ne vient pas t'insulter pour que tu te fâches. Le diable vient seulement te dire, oh révérend, oh révérend homme de Dieu, oh sa majesté, tu baisses les gardes. Parce que tu aimes tellement écouter ton nom dans les hauteurs. Le diable utilise ce que tu aimes. Quand le diable vient parler, il commence à te louer, il commence à t'encourager. Il a dit à Jésus, n'est-il pas le fils de Dieu? N'es-tu pas le fils de Dieu? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es? Si tu te jettes ici, les anges vont venir. Le diable commence à dire à Jésus ce qu'il aime, ce qu'il était. Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il y a des gens sur terre qui peuvent abandonner leur épouse à cause de ce qu'ils aiment. Il aime tellement la gloire. Il aime tellement qu'on le loue. Il aime tellement l'argent qu'il est prêt à tout. Et le diable est passé par là. Le diable sait que la seule manière pour moi de l'éloigner de Dieu, c'est en lui proposant l'argent. Il te propose. J'aimerais dire à quelqu'un, un homme d'affaires, tout contrat n'est pas bon contrat. Toute bonne proposition selon toi n'est pas la bonne proposition selon Dieu. Les diables utilisent ce que tu aimes. Ce que tu aimes n'est pas forcément le péché. Mais les diables peuvent passer par là. C'est pourquoi je suis ici pour l'éveil de conscience, l'éveil spirituel. Et je dis à quelqu'un, lève-toi et prie. L'ennemi, j'ai noté en disant, l'ennemi ne te présentera pas ce que tu aimes entendre. Il sait qu'il y a une faiblesse naturelle dans ce que tu aimes. Donc, s'il faut détruire, les diables savent que c'est seulement par ce que tu aimes et rien d'autre. J'ai noté en disant, le pouvoir car négativement ce que tu aimes est très dangereux. Car ce que tu aimes peut te pousser à fermer la bouche de tes conseillers et de tes surveillants, de tes mentors et même de ta famille. Ce que tu aimes a le pouvoir. Un pouvoir négatif est très dangereux. Car ce que tu aimes peut te pousser à fermer la bouche de tes collaborateurs. Rappelez-vous, quand on a dit au roi Aiglon, « Oh roi, j'ai un secret à te donner. » Le roi a dit à toute son assistance, tout son conseil, tout son parlement, tous ses ministres, il a dit « Silence !»
taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit ce qu'il aimait entendre, les secrets. Parce que j'ai un secret. Il a fait taire la bouche des gens qui les surveillaient. Des gens qui pouvaient les dire, non, ne fais pas ça. Pour cette affaire, fais ceci. À cause de ce qu'il aimait, il a dit silence. Le pouvoir qu'a ce que tu aimes peut faire taire ta famille. Combien de familles, des hommes ont perdu leur destinée à cause de ce qu'il aimait. Il aimait tellement l'Europe. Il aimait tellement les voyages. Il aimait tellement être au Canada que même quand on lui a dit, quand seulement il a écouté Canada, son parent n'a plus de mots, son pasteur n'a plus de mots sur lui, sa femme n'a plus de mots, il a perdu tout aujourd'hui, il regrette. Je me rappelle de cet enfant prodigue qui aimait les luxes, qui aimait l'indépendance. Je répète pour dire, ce que tu aimes n'est pas forcément un péché. Mais mon sujet, c'est que les diables utilisent ce que tu aimes. Ce que tu aimes dans les péchés et ce que tu aimes dans les naturels. Les diables peuvent utiliser les deux côtés. Cet enfant, je pense que l'une de ses motivations, l'enfant prodigue, c'était l'indépendance. Il a dit à son père, je suis assez grand, donne-moi ma part. Il n'avait aussi rien de mal en disant ça. Aujourd'hui, on peut interpréter ça qu'un jeune qui veut se débrouiller, qui ne veut plus dépendre de ses parents. C'est logique. Pourquoi la Bible va les condamner? Mais le diable est passé par ce qu'il aimait, l'indépendance. Voilà, vivre ma vie. J'ai laissé moi vivre ma vie. J'entends les gens disent, personne n'a les doigts sur ma vie. Je suis le maître de ma propre vie. Les diables utilisent ça, cette indépendance, cette autosuffisance pour t'éloigner de Dieu. Ah, fais ceci, fais les péchés. Tu es le Dieu de ta propre vie. N'écoute personne. Quand tu aimes quelque chose, tu as directement le pouvoir même de faire taire tes surveillants. Maman t'appelle pour te reprocher. Non, silence! Papa avait dit non, les pasteurs avaient dit non, si c'est comme ça, je quitte l'église. Les diables utilisent ce que tu aimes. Et le roi Aiglon a dit silence, silence, tais-toi. Silence, à cause des cadeaux et des secrets. Non, je prie pour un frère, je prie pour une sœur, au nom de Jésus-Christ, que tu ne fasses pas taire la bouche de ceux qui sont pour toi une grande bénédiction. De ce que tu aimes, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu ne fasses pas taire la bouche de tes parents, la bouche de tes tuteurs, la bouche de ton pasteur, la bouche de ta femme ou de ton homme, à cause d'un bien temporaire que tu aimes, au nom puissant de Jésus, que les diables ne passent pas derrière ce que tu aimes, afin de faire taire la bouche de ceux qui peuvent te mettre en garde, de ceux qui peuvent t'avertir d'un mal, au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ai prié que les diables ne puissent pas utiliser ce que j'aime pour me mettre en déroute. Pour me mettre en déroute. J'aimerais raconter l'histoire que le frère Branham raconte. Je n'ai pas le temps de la lire, mais vous voulez lire ça dans la soif. Au point 215, le prophète est en train de raconter une histoire d'un homme qui avait eu des biens. Il avait pris de l'or, il avait pris ceci et cela quelque part. Il était fortement béni. Il rentrait. Il est parti s'abriter quelque part dans une campagne parce que pour continuer sa route le lendemain. Et là, dans le village, on l'attendait avec cet or, avec cet argent. Il avait déjà gagné. Il avait un chien. Son chien avec qui il était parti remporter, acheter cette marchandise, acheter l'or, acheter ceci, cela. Et ils ont dit, on va dormir dans la campagne pour, avec la neige, afin que le matin, nous puissions arriver. Comme il était tellement fatigué, il aimait le sommeil. Il ne voulait pas que personne le dérange. Alors, il s'est endormi. Et le voleur est venu. Le criminel est venu frapper. Il est venu pour dérober. C'est sa marchandise, dérober son argent, dérober son or. Et les chiens ont commencé à crier, « Wouh, 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 wouh. » Le maître du chien s'est réveillé, il a dit, « Silence, tu me déranges, demain je suis un homme riche. » Et les chiens ont arrêté. Quand les criminels veulent encore accéder dans la tente, les chiens ont commencé à crier, « Wouh, 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 wouh. » Le maître s'est réveillé la deuxième fois, il a dit, « Silence, tu me déranges. » Demain, je suis un millionnaire, tu ne sais pas qui je suis. Arrête beaucoup de bruit. Demain, je pars vendre de l'or. Et les chiens s'est tu. Et la troisième fois encore,
quand le criminel, cette fois-ci, veut maintenant entrer dedans pour tuer l'homme et s'encaparer du bien. Oh, les chiens a crié, wou, wou. Et l'homme, le maître du chien, s'est levé et a dit, oh, ça n'est assez de toi. Tu m'agaces. D'ailleurs, tu n'es bon à rien. Tu fais rien. Demain, je suis un millionnaire, j'achèterai un autre chien. Il a pris son arme, il a tiré son chien. Pah! Et le chien est mort. Et quand il tue son chien, il retourne dans son sommeil. Les criminels entrent, il abat. Ta-ta. Il prend son or et son histoire était finie. Oh mon frère, ma soeur, ne tue pas les chiens que le Saint-Esprit à cause de ce que tu aimes. Tu aimes les voyages, tu aimes la gloire, tu aimes ceci, cela. Ne tue pas le Saint-Esprit à cause de ce que tu aimes. Ne tue pas l'ange de Dieu à cause de ce que tu aimes. Le Saint-Esprit te dit, arrête les péchés. Mais comme tu aimes les péchés, tu restes là et tu résistes. Les péchés vont te tuer. Quand tu fais le Saint-Esprit, je te rappelle, comme ce maître a fait taire son chien qui l'avertissait et l'ennemi a abattu le maître. Quand tu fais taire l'onction, quand tu fais taire le Saint-Esprit, quand tu fais taire ton pasteur qui te réprimande, laisse-moi te dire, les péchés vont te tuer. Le diable utilise ce que tu aimes. Cet homme aimait le sommeil et le diable est passé là pour le tuer et ravir son héritage. Quand je parle de la prière, beaucoup de gens disent, mais ça en est de trop. Mais pourquoi il parle de la prière? Pourquoi prier? Pourquoi s'élever prier? Dieu nous connaît. Le diable utilise ton sommeil pour te détruire. Jésus est venu, il a laissé les disciples à Gethsémané. Il a dit, prions. Il part prier, il retourne comme ça, il dort. Le diable est passé par là. Souvenez-vous, le lendemain, Pierre a régné Jésus. C'est mal le même soir, Judas a vendu Jésus. Le diable utilise le sommeil de Pierre pour l'amener très loin de la croix. Il a commencé à regretter. Comment j'ai vendu Jésus? Mais tu aimais le sommeil. Si tu priais, Jésus a dit, priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Pierre est tombé en tentation parce qu'il aimait dormir. Lève-toi et prie. Le diable utilise ce que tu aimes. Ne fais pas taire le Saint-Esprit. Ne tue pas tes tuteurs. Ne tue pas ta femme. Ne tue pas ton mari qui t'avertit. Ne tue pas tes frères et sœurs qui t'avertissent. Ne tue pas tes parents qui t'avertissent à cause de ce que tu aimes. J'aimerais prier pour toi. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que le diable utilise ce que nous aimons. Ainsi, Père éternel, nous voulons nous lever dans la conscience pour, ô Dieu Tout-Puissant, abolir et abattre tous les plans macabres de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, lève-toi et accomplis avec nous ce que, Seigneur, tu as prédestiné pour nous. Comme cet homme qui est mort en tuant son chien, nous ne voulons pas tuer ceux qui nous avertissent. Nous ne voulons pas faire comme les rois Aiglon et mourir avec un grand ministère, avec une grande destinée, par un petit couteau, de rien du tout, à cause de ce que nous aimons. Père, préserve ma sœur, préserve mon frère, préserve notre ministère. Nous te serons reconnaissants, car il y a une prophétie sur notre vie et nous atteindrons le but au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Je n'ai pas abordé le deuxième point. Je n'ai pas pu aborder le deuxième point parce que nous avons que une demi-heure pendant cette émission dans la radio. Le deuxième point, alors que le premier point, j'ai dit, le diable utilise ce que tu aimes pour te détruire. Prochainement, le Seigneur voudra. Nous allons dire le deuxième point. Le deuxième point, il s'agit de, le diable utilise ce que tu aimes pour que tu détournes ta vigilance sur lui, le diable, afin que tu t'attaques et que tu détruises toi-même ce que tu aimes. Je crois que Dieu va nous accorder ces moments où peut-être on va les prêcher autrement. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Pour ceux qui nous soutiennent, merci de nous soutenir par vos prières. Merci de nous soutenir financièrement. Au bas de vos écrans, il y a les contacts. Il y a notre numéro. Vous pouvez envoyer vos offrandes sur Orange Money. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp, vous pouvez nous écrire sur notre mail, en commentaire. Nous avons besoin de votre soutien afin de continuer l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que vous ne mourrez pas à cause de ce que vous aimez. Au nom de Jésus, Shalom.
les servir.